Il y a plusieurs caps à passer dans la vie et le plus souvent, il s'agit des anniversaires de décades. Je ne me rappelle pas du tout de mes 10 ans. À l'époque, je sais que je n'avais qu'un leitmotiv, avoir de bonnes notes à l'école, parce que c'est ce que mes parents attendaient de moi. De mes 20 ans, je retiens le sentiment de liberté un peu hésitante qui s'invite quand on a plein de rêves, mais qu'on ne sait pas vraiment choisir pour soi, qu'on ne sait pas si on a le droit de choisir pour soi. Je n'ai pas célébré mes 30 ans parce que je ne rentrais pas dans le standard attendu par les autres et par moi-même. Une carrière au top, un mari au top, un bébé trop chou, un appartement à son nom, une sorte de bucket list de tout ce qui est difficilement réalisable dans le monde d'aujourd'hui. Tant et si bien qu'on oublie de vivre et apprécier le monde présent avec ceux et celles qu'on a autour de soi. Alors aujourd'hui, nous sommes à Malte pour l'anniversaire de cette demoiselle. Donc pour l'anniversaire de cette jeune demoiselle qui a 30 ans, toutes ses dents, une vie en flic, c'est chaud mais on est là. On bagarre tous les jours, mais on est là. On bagarre tous les jours, mais on est là. On est là. On va tous les avoir. On est prêt pour la bastonnade. Ça te fait quoi d'avoir 30 ans? Franchement, en vrai, ça fait rien du tout. Je pensais pas être aussi fraîche à 30 ans. Non, je rigole. Non, ça fait rien. Je filme ta fraîcheur d'abord. Je savais pas que ça allait être... Tu te voyais où à 30 ans? En termes de trentenaire, en termes de vie privée, je ne me voyais pas là où je suis actuellement, donc c'est-à-dire mère d'un fils. Et je voyais plus en termes de carrière. Mm-hmm. Comme quoi, carriériste, franchement, mais ça va, on va pas se plaindre en fait. Ça va, c'est pas mauvais. Donc je dirais à la fille de 18 ans que quand même, tu t'es bien débrouillée, ça va. La fille de 18 ans que je fus avec plein de rêves dans la tête, où je disais oui, à 30 ans, je serai là, 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 là. Certes, on n'a pas atteint tous les objectifs, mais on est bien, on est bien. On est bien. Joyeux anniversaire! Merci! Si je devais parler à la moi de 20 ans, je lui dirais que ces années de 20 ans sont les meilleures pour découvrir qui elle est, en tout cas quelques facettes de sa personnalité, le maximum possible. Je lui dirais de rapidement se défaire de ce besoin de plaire aux gens, de ce besoin de dépendre du regard des gens, parce que c'est à elle de faire ses choix, parce que c'est à elle d'assumer les conséquences de ses choix, que c'est à elle de vivre sa vie intensément. Tu as quel âge, Karen? J'ai 30 ans et je fais du poisson. J'en ai rien à faire d'abord. Hey. J'enjoy la vie. Allez, glou glou glou. Alors, Bibou? Oui, pour la 14e fois. Nous sommes à Malte pour l'anniversaire de Karen. Saucy 30. Ton anniversaire à toi, c'est dans un mois. Oui. Tes 30 ans à toi, c'est dans un mois.
Et qu'est-ce que tu as comme vision d'être trentenaire, d'avoir 30 ans? Pour toi, c'est quoi? Actuellement, là, je sais pas. Honnêtement, je me sens pas différente d'avant. Donc, je ne sais pas. Je pense que j'allais dire, ouais, les responsabilités... Non, bullshit. Bullshit. Les responsabilités, elles sont arrivées avant. Donc, je pense que c'est un mile step. Je pense que c'est une étape à passer. Mm-hmm. Je pense que 30 ans, c'est un âge important. Et je pense que c'est le moment de s'établir en tant que femme. Mais voilà, c'était le but. On travaille pour ça depuis un moment. Qu'est-ce que tu dirais à la Mimou de 18 ans? Je lui dirais que ses ambitions sont légitimes, qu'elle a le droit de vouloir ce qu'elle veut. Et je lui donnerais un seul conseil, c'est de se battre beaucoup plus tôt dans sa carrière pour obtenir ce qu'elle mérite. Voilà. Merci. Bye. Bye bye. Salut. Je pense qu'il est bon à 30 ans de savoir choisir ses amis, d'avoir un groupe d'amis, de personnes de confiance qui vont pouvoir cheminer avec nous dans ces années-là où on essaye de ressembler le plus possible à cet idéal qu'on a de nous, où on essaye d'accomplir nos projets. Et je pense que l'entourage est l'une des clés de réussite de la vie finalement. Je me prends pour une chasseuse de tempête, comment on les appelle? Chasseuse de tonnerre? Je ne sais pas. Alors, c'est la tempête dehors, la vraie tempête. L'eau est montée, tout est fermé, inondation partout. Et on cherche comment manger. On a faim. On a déjà acheté le vin, mais... On a trouvé où manger. Qu'est-ce que vous avez mangé ici là quand même dès le premier jour? Nous sommes sauvés. Et d'ailleurs, on n'a pas une réduction ici? Oui, mais on n'a pas pris la carte. On n'a pas pris l'emballage de la carte. Ah Jésus. C'est sur l'emballage de la carte. Ah Jésus. Ah Jésus. On n'a pas... on n'a pas la réduction, Jésus. Mais bon, on va déjà manger, c'est déjà pas mal. De me pousser. La tempête.